disais ce matin, c'est un pays, Haïti, qui n'a pas de chance. Mais dis-toi bien ceci aussi, nous sommes un peuple très courageux. Il y a de cela 6 ans, après le tremblement de terre, nous avons refait surface. Un exemple flagrant, c'est qu'à travers la Fédération haïtienne de football, nous sommes encore présents sur la scène internationale et champions de la Caraïbe. Bravo, nous sommes hospitaliers, humains et courageux. Je suis un président de fédération, je m'adresse spécifiquement au secrétaire général de la Fédération haïtienne de football. C'est une tâche très difficile. On appelle ça dans notre jargon le noyau dur. C'est eux qui conçoivent, qui préparent les budgets, qui reçoivent les subventions, qui font appliquer la politique de la fédération. Donc, Carlo continue le travail avec la même ardeur. C'est dommage que le président de la fédération ne soit pas là, mais tu le représentes valablement. Un secrétaire général d'une fédération, je sais ce que ça représente. Et enfin, notre stratège technique, le directeur national, qui a commencé un travail de titan à travers une formation qui ne doit pas s'arrêter. Je vous dirai qu'avec la FIFA, à travers nos programmes de développement, ce que peut-être on reprochait au coach d'antan, je prends un grand monsieur que j'ai connu dans le monde du football, on reprochait surtout à Antoine Tassi de ne pas partager les connaissances. Maintenant, à travers un bloc technique qu'on a, Carlo me fait parvenir de la littérature riche. Et comme disait M. Michel ou comme M. Richard ce matin, où les moins de petits détails étaient pris en compte. Maxime, que je vois aujourd'hui ce matin, j'ai été l'entraîneur de Maxime. Donc je disais encore ce matin, quand on voit un entraîneur continuer l'œuvre de son mentor, ça fait vraiment plaisir. Maxime, c'était un grand joueur de foot, un monsieur très éveillé. Donc je voyais déjà venir, non pas le joueur, je voyais aussi venir le formateur d'hommes. Maxime, félicitations. À mes collaborateurs, aux entraîneurs, je vous dirai que c'est un métier passionnant. Et derrière ce métier, il n'y a pas d'heure, il y a des heures de travail. Et moi, parfois, je réponds sur le bloc à minuit, minuit et demi. Vous vous rendez compte, c'est parce que quand il y a un document qui me parvient, j'essaie à tout bout de champ de le vivre et de le partager avec les membres du bloc. Donc, à la presse parlée, écrite et télévisée, vous êtes toujours là avec la fédération. Et à tous les cadres de cette enceinte sportive, où la classe, les U15, les U20, les U22, ils sont tous là réunis, je pense que sans vous autres entraîneurs, ils ne pourront pas atteindre. Ça me fait un grand plaisir de me trouver ici. Et tout d'abord, au nom de la FIFA, je vous transmets les salutations, particulièrement du service technique Development Programme, qui sont à la base de tous ces cours qui se donnent, et qui félicitent aussi la Fédération haïtienne de football de leur initiative depuis plusieurs années d'encourager la formation des entraîneurs, de l'améliorer en quantité, mais aussi en qualité. Et FIFA assure qu'elle est toujours derrière ces pays qui veulent progresser. Et c'est un des rôles de la FIFA de faire progresser le foot. Pour ma part, personnellement, oui, c'est un grand, grand plaisir de me retrouver dans ce pays. Dans votre pays, comme j'ai dit tout à l'heure, qui effectivement a connu des malheurs. Mais le football est là pour recréer un peu de bonheur. Et on l'a vu dernièrement avec le championnat d'Europe, gagné par un petit pays européen, le Pugal, en difficulté économique. Et la victoire de l'équipe nationale a rendu un peuple heureux. Et de me retrouver ici avec des gens heureux malgré certaines tristesses, parce que la vie continue. Après 23 ans, effectivement, c'est de grands souvenirs puisque c'est ici que j'ai commencé ma carrière d'instructeur FIFA en 89. Et pendant 5-6 ans de suite, chaque année, j'ai assuré une formation ici avec des entraîneurs que je revois,
qui ont eu du succès. D'autres, comme j'ai appris, malheureusement, nous ont quittés. Et de revoir de nouveaux entraîneurs vivifiants pour le football. Donc c'est une grande motivation pour moi de me retrouver ici. Et bien sûr, dans des conditions bien différentes, en 20 ans. Avant, c'était dans les infrastructures du stade national Silvio XIV. Et aujourd'hui, c'est dans des conditions, je dirais, optimales pour un pays comme Haïti. Et je suis très heureux de l'aide de FIFA et bien entendu des acteurs du football, aussi bien administrateurs que techniciens que joueurs de Haïti. Je crois qu'on a dit quel sera un peu le cours. Oui, ce cours, au départ, s'appelle FIFA Fitness. C'est un cours axé sur la condition physique du football actuel. Vous savez tous l'importance de la condition physique et on sait que plusieurs pays étaient en retrait, non sur des questions techniques, tactiques, mais souvent sur des questions mentales et des questions physiques. Et aujourd'hui, s'il y a un grand équilibre dans le football mondial, que nous constatons, il n'y a plus de petits pays. Tout à l'heure, notre ami mentionnait les succès des petites nations contre des grandes nations. Ça veut dire qu'il y a eu un grand travail dans ces pays, un travail de développement, de structure, bien sûr de formation d'entraîneurs et de formation de joueurs, mais je sais aussi par expérience qu'il y a eu un grand travail au niveau des méthodes d'entraînement et notamment celle de la condition physique, qui se travaille aujourd'hui non seulement par des courses ou du travail de force dans une salle de musculature, mais qui se travaille sur le terrain dans des situations de jeu adaptées au football. Le football avec la technique, la tactique et le physique, et bien sûr le mental qui est... Cérémonie d'ouverture pour ça, qui rentre dans le cadre pour nos gammes d'activités. Direction technique nationale de la Fédération haïtienne de football, qui lui-même voulait quand même faire des formations pour mettre entraîneur à niveau. Ça, c'est une formation spéciale qui quand même pourrait fortifier le football là, en quand même formant des entraîneurs, formateurs, entraîneurs, préparateurs physiques, avec nouveau cours ça, nouveau produit ça, FIFA met en place, qui c'est cours de fitness là. Cours de fitness sont cours de préparation football, préparation physique intégrée, lundi intégré, elle dit que en plus de l'aspect conditionnement physique à parler, mais il y a tenu compte de l'aspect technique et tactique et tout en même temps. Mais à côté de ça, les la demande pour le cours que nous devons faire, nous estimons que, et sous conseil tout, il y a un instructeur senior dans le monde qui a occupé le développement de FIFA, M. Cons, on a dit est-ce que pendant que ça ne va pas profiter au niveau de la direction technique nationale pour le football haïtien, fait un cours d'instructeurs, des gens qui quand même qui ont des expériences, qui ont des diplômes avancés, qui fait un pile de travail sur le plan entraînement avec des clubs et sélections nationales. Est-ce que nous avons un recrutement d'éternel, un fonds cours de formateurs, un cours d'instructeurs. C'est ainsi que l'instructeur a rentré en contact avec M. Michel Richcade, qui lui-même d'abord d'accord, mais il faut le écrire FIFA pour FIFA d'accord. En même temps, il a fait cours de fitness, là, cours d'entraîneur préparateur physique, là, il est capable de délivrer cours d'instructeur pour la fédération. C'est ainsi qu'il y a l'accord. Et puis, nous recrutons une quinzaine. Malheureusement, il y a trois absents. C'est Songe-Pierre qui est disponible. Pierre Richard et Pierre Roland, Pierre-André Dovilus, avec Josapha qui est malade. Donc, trois messieurs, ça n'a pas pris en courant. Donc, nous venons réduire à 12 personnes. Et nous avons 30 postulants qui sont dans la deuxième division et 3 personnes, 3-4 fédérations. Au total, 30 personnes qui quand même a subi coup ça. Donc c'est une façon pour nous améliorer les jouets là, parce que l'entraîneur que nous avons formé là, l'autre stage que nous avons fait pendant toute l'année, en 2017, nous avons publié une liste d'entraîneurs qui quand même ont des équivalences, qui prennent des cours à l'étranger, qui rentrent dans le cursus de formation de mettre sur place là. Nous allons continuer avec l'instructeur que nous avons formé là, faire des stages de niveau 1 et 2 pour que, quelle que soit l'école football, club première, deuxième division féminin, nous disons mais qui monde qui peut entrer dans tel niveau. Et le ça, le club n'a pas le choix parce que nous formons un entraîneur pour eux, de concert avec eux,
nous mettons pile sur le plan qualité sur le marché de façon pour que les joueurs soient capables de gagner de meilleurs entraîneurs et d'où prendre une certaine progression dans le jeu. Parce que nous avons constaté la direction technique nationale, fait, c'est que nous avons continué à verser de formation pour que nous changions visage de là, c'est autant que nous avons des problèmes. Il y a des entraîneurs de niveau 1 qui ont entraîné dans la première division. Donc, ça ne se fait pas. Nous n'avons pas réagi brutalement comme nous dit dans le speech d'ouverture. Mais cependant, petit à petit, nous avons regardé qui a besoin de gagner, comment nous avons comblé le vide là, en faisant des formations de niveau pour que nous soyons capables d'alimenter l'école de football, alimenter le premier et deuxième division, et puis au niveau sélection nationale pour nous avoir autant d'entraîneurs qualifiés, d'où nous avons des joueurs qui sont capables de plus performer. C'est un coup quand même formateur, il y a des responsabilités qui sont contraires par rapport à bon, qui en plus par rapport avec postulant, entraîneur, préparateur physique. Éducateur, formateur, il y a travaillé eux-mêmes de façon séparée avec instructeur Richard. À Richard, de 14h à 15h. Hier, nous avons ouvert le coup à eux pour eux, mais de 14h, jeudi, nous avons travaillé 14h à 15h. Nous avons gagné des examens oraux, alors, nous avons gagné des examens tout à l'écrit, et tout instructeur sérieux pour encadrer des séances d'entraînement avec postulants sérieux et des équipes jeunes pour être capable de donner exemple à postulants qui eux-mêmes viennent prendre cours de fitness. Là. Mettez des entraîneurs de qualité pour que les joueurs nous la production de joueurs soient faites autrement. Nous avons des joueurs qui arrivent dans la première division qui ne peuvent pas bloquer le ballon bien. Nous avons des joueurs qui sont même mal formés sur le plan de coordination. Donc, pour capable éviter ça, nous avons des gardiens de but qui arrivent dans la première division, même plongeons, nous n'est pas bon. Parce que dans le niveau basique, là, nous n'avons pas des entraîneurs. Dans le niveau première division, ce sont pas des entraîneurs. Pas de diplôme qui correspond à niveau hein, que nous avons, cause que la nature aurait du vide. Donc, pas un problème parce que pas de monde qui qualifie. Donc, ils rentrent quoi? Bon, maintenant, nous finissons avec la situation. Ça. Nous disons 6-12 ans, il faut qui monde qui peut entraîner. 12-15 ans, qui monde qui peut entraîner, prévention. Niveau 3e division, école de football, qui monde. Première division, qui monde, sélection nationale, qui monde. Mais qu'on y a nous-mêmes, pour nous faire, il faut être capable de faire formation. Et c'est dans ça, depuis 2013, nous fait. Donc en 2017, il y aura quand même une élite générale qui pourra le faire et nous continuons à faire formation de façon pour nous régulariser le problème, avec bien sûr des entraîneurs compétents dans tout niveau et qui correspondent exactement à la catégorie idéale que vous formez pour nous.